Danse avec les stars, TF1, revient dès l'automne prochain et les langues se délient peu à peu quant au déroulement de cette 9e saison. Si on savait déjà que Camille Combal reprendrait les rênes de l'émission, à la place de Sandrine Quétier, le casting met plus de temps à se former. À lire aussi, Sandrine Quétier valide Camille Combal à la tête de Danse avec les stars. Les bracelets rouges, un humoriste a rejoint le casting pour la saison 2 Souffrance après sa blessure dans Danse avec les stars. Souffrance après sa blessure dans Danse avec les stars. Absat aussi encore en souffrance après sa blessure dans Danse avec les stars. Mais il semblerait qu'une nouvelle personnalité a confirmé sa participation à la compétition de danse. C'est ce que révèlent nos confrères de Pure Média, ce mercredi 18 juillet 2018. Il s'agit de Jean-Philippe Janson. À 44 ans, il est l'une des dernières recrues de Laurent Ruquier dans son émission « Les grosses têtes » sur RTL. Originaire du Nord, Jean-Philippe Janson a rapidement conquis les auditeurs avec son humeur joviale et son accent CHT en rejoignant l'équipe en octobre 2016. Ce ne serait pas la première fois qu'il basculerait sur un programme télé puisqu'en 2014, l'humoriste apparaissait dans l'émission de Stéphane Plaza, Recherche appartement ou maison, sur M6. On a également pu l'apercevoir dans le jeu présenté par Arthur, à prendre ou à laisser. Mais il a vu sa notoriété exploser lors du Festival du Printemps du Rire à Toulouse en 2015, au cours duquel il était finaliste d'un concours d'humoriste. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon nos confrères de Pure Média, Pamela Anderson devrait aussi rejoindre le parquet de l'émission. La compagne du champion du monde Adil Rami, qui a déjà été candidat de la version américaine du programme en 2010 et 2015, se serait laissé convaincre par les producteurs de venir danser à la rentrée dans l'édition française. Une proposition acceptée par l'ex-star d'Alerte à Malibu, note Pure Média.